l'eau. Ouais. Peut-être que c'est mieux qu'on n'ait pas joué hier parce que j'étais dans un état de fatigue. Et que j'ai dormi 12 heures cette nuit. Ouais, bah il y a le confinement aussi, j'ai une réunion de crise là, avec des délégués et autres, avec tout le monde, avec les professeurs et tout. Les professeurs pour le moment ne veulent rien entendre et ça c'est leur problème. On parlera quand il y aura 45% d'échecs, mais c'est un point qu'on a fait et ils se rendent pas compte du nombre de gens qui ont pas le moral. Moi ça va, Ah, hein, tu je suis en m'étonnes. machine gun depuis le temps. J'ai tout traversé donc en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est pas un confinement qui va me ralentir, mais il y en a qui prennent cher. Ouais, tu m'étonnes. C'est le confinement plus, enfin c'est pas tant le fait d'être confiné, c'est le fait de pas voir les gens, c'est le fait de pas interagir. Ah, c'est ça, c'est que t'as plus tout toute cette tout... ce truc social que tu pouvais avoir avant et même le peu que tu peux avoir maintenant du coup comment dire enfin, quand tu pouvais sortir dehors bah t'avais quand même ce masque et tout ce bordel enfin J'ai eu un t'as petit coup de qu'il blues plein hier, de parce choses qu'il y a une meuf, voilà, s'il n'y avait pas eu le confinement et qu'on avait le droit de sortir, voilà quoi. l'aurais Ça capté ouais bah ouais. se faisait. Non, non, mais ça se faisait grave après DS, donc. T'as dû lui faire la même chose, Ça hein, mais chier quoi. ah, ça fout quand même, franchement. Ça fout la haine. Je termine juste de tirer mes tirages. T'as le Poche nouveau Call cash. of ou... Je l'ai pas non. Non, j'ai pas prévu de le prendre et je pense que Mathieu ou Kevin ont prévu de le prendre de toute façon. Je pense que ça va se faire comme Ouais, ça. bah, franchement, attendez un peu avant de le prendre. Bah, à moins que vous ayez vraiment envie de faire du zombie et tout, mais... Non, c'est jamais un truc qui m'a attiré. Enfin, Parce que là, pour le coup, le zombie est bien, mais le multi est à chier. C'est vrai. Parce que j'ai eu vent En des clair... nouveaux modes et tout et ça me semble Ouais, pas mal. non, mais... En clair, pour t'expliquer... Au niveau des snipers, déjà... Les snipers sont à chier. Là, je vais te parler plus précisément des quickscopes. C'est-à-dire que quand t'es dans la merde et que tu dois lâcher un petit quickscope parce que t'as un mec qui apparaît devant toi à la milliseconde près, que t'es là en mode bon, putain, faut que je tire vraiment rapidement pour le tuer. Bah, en fait, ton quickscope, ton arme met tellement de temps à se mettre en place. Que t'es baisé et en fait il y a une chose supplémentaire c'est-à-dire que normalement avant quand tu faisais un quickscope tu pouvais être dans l'animation de viser De viser, ouais, avec un petit la œil. balle partait droite la balle partait droite tu vois Ouais. là mec j'ai une vidéo et je pourrais te la partager en vrai où le gars il fait ça sur son snipe et tout un chargeur entier. Où du coup il tire pendant le zoom pour faire un quickscope. Et il n'y a aucune des balles, ou genre une ou deux sur un chargeur de 10, je crois, qui vont tout droit. Mais pourquoi ils ont déséquilibré un système qui était bien à la base, c'est quand même dingue. Je sais pas, mec, mais pour les Black Ops, ça a presque tout le temps été comme ça. Ah, mais Ouais, enfin c'est. là c'est vraiment Parce que hard, le c'est jeu vraiment change hard. de nom, mais en vrai, c'est le même moteur physique derrière, on va pas se mentir, y a rien qui a changé. C'est quoi? C'est le Ouais. HUD, une nouvelle campagne, et des nouvelles maps et c'est tout. Mais Le rééquilibrage n'était pas dû au changement de nom pour moi. Ah Parce mais que tu passes de mec. MW à BO que. Non, clairement. Mais il y a un autre truc, c'est que moi je m'étais dit sur certaines maps où pendant la bêta je jouais au snipe et où je me démerdais bien au snipe du coup à ce moment-là. Où toutes les balles passaient bien, tout ce bordel. Je m'étais dit, bah vas-y, cette map-là, je la connais, du coup, je sais que c'est une bonne map pour jouer au snipe. Enfin, moi, je jouais bien au snipe dessus. Je vais jouer au snipe. Et du coup, je prends mon snipe. Et mec, j'ai littéralement
Genre, je vise, je fais même pas de quickscope, hein. Je vise bien les mecs, ils sont littéralement dans mon viseur, pile sur la bonne ligne, tout va bien, vraiment le mec ne bouge pas. Je tire, la balle ne le tue pas, la balle passe à travers lui. Et j'ai vu des vidéos sur Twitter d'un mec, c'est pareil, une espèce de compilation où le mec il fait plein de tirs sur des gens comme ça et il y a zéro balle qui passe. Ouais, je vois. Les snipes, ils les ont niqués. Vraiment, les snipes, ils ne servent plus à rien. C'est abusé. Et à côté de ça, au niveau des SMG et des AR, les armes qui jouent le plus en ce moment, t'as la M16, qui dans ce jeu est à rafale. Ok, Ouais. je comprends pourquoi. Elle est à rafale et mec, tu mets une rafale en fait. En fait, tu touches le mec, t'es sûr de le tuer quoi. Tout simplement, je trouve ça méga cheaté. Et à côté de ça, t'as la MP5, mec. La MP5 que tout le monde joue. Oui. Genre vraiment tout le monde. Oui, parce qu'elle était déjà OP dans celui d'avant. Elle était déjà OP à la bêta. Tout le monde la joue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils l'ont pas du tout changé depuis la bêta. Et ce que je C'est-à-dire veux que dire, c'est que la bêta. même depuis MW, elle était cheatée pour moi. C'est pas une arme que j'utilisais, mais je l'ai vu très souvent. Ouais, mais en vrai. En vrai, moi, quand j'ai joué en multi sur MW, mec, je l'ai pas vu tant que ça. Hein. Enfin, comparé à là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand je jouais sur MW, t'avais vraiment de toutes les armes possibles. Là, forcément, dernièrement, t'avais plus la S-Val ou des choses dans le genre. Mais en réalité, t'as pas mal d'armes qui étaient bien équilibrées quand même. Enfin. Et là, mec, franchement, tu fais des games, t'as que des mecs à la MP5 qui, à n'importe quelle distance, vont te tuer alors qu'il a une putain d'SMG dans les mains. Toi, t'as ton AK-47 qui t'es obligé de mettre 10 balles pour tuer le mec, alors que lui, c'est MP5 à 100, le mec te met 2 balles et il tue, quoi. Ouais, je vois. Ça, c'est horrible. Surtout, je pars du principe que quand même Call of ils sont arrivés à un niveau quand même, ça fait un moment qu'ils sont là maintenant. Je pense Bah oui, que clairement. je pense qu'il y a un moment où ils sont arrivés à un niveau où c'est très étonnant qu'ils fassent des pas en arrière comme ça. Pour moi, ils sont Oui, supposés perfectionner le truc et. c'est exactement. Ils sont à un niveau où ils peuvent pas se permettre de faire des erreurs pareilles et de. Évidemment qu'ils peuvent parce qu'ils ont plus de concurrence, mais je suis étonné qu'ils le fassent encore, quoi. C'est Ouais, mais ils surtout. peuvent pas aller à l'encontre de ce qu'est un Call of Duty de base, tu vois. Ouais, je suis Alors Call d'accord. of Duty, ça a jamais été un jeu à la Battlefield. Parce que là, les gens, t'as des mecs sur Twitter qui étaient en train de cracher en mode oui, parce que c'est réaliste de faire des quickscopes et tout. Je ouais, mais en fait, Call of, ça a toujours été ce type de jeu de guerre à la fois Make un peu fun. réaliste, mais quand même arcade. C'est ça, mais cite-moi le premier mème qui devient l'esprit Call of Duty, pour moi c'est le Quickscope, hein, c'est le Quickscope de Mais NW, tu clairement, vois. mec. C'est ça. Clairement. C'est le Tout premier ce mème qui qui a me fait vient. le. Tout ce qui a fait la popularité de Call of, mec, c'est. Et enfin, surtout à l'époque de MW2 et tout ça, c'était bah, tous les. Enfin, le FaZe Clan, Optic, toute cette team-là où t'avais tout de Quickscope, de 3-6, Unscope, 720, Titanic, donc. Tout de trickshot, tu vois. Bien sûr. C'est un ouf. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci d'avoir joué à la bêta. Ouais, vous avez gagné un passage de niveau de gratuit, un passe de combat. À condition que vous achetiez le pass, lol. Quoi? Non. Ah bon, surpris. Aïe 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 aïe. Quel bordel. Ah, maintenant, Warzone et Modern Warfare disposent chacun de leur liste d'équipements. Ouais, j'ai vu ça aussi. Bah ouais, je trouve ça C'est pas ça. mal en Bah, c'est réalité. pour Hein. un. Bah, ils auraient dû le faire bien avant, mais là, ils étaient juste obligés pour un souci de Clairement. compatibilité, c'est tout.
C'est aussi simple que ça. Ouais, bien sûr. Parce que maintenant, je peux me considérer comme étant dans le monde du code. Je sais ce qui se passe maintenant. Mise au courant de tout. Je le vois très Faut bien, juste qu'on mi-septembre. Ah merde! C'est les mecs. Putain! C'est comme ça, hein, c'est aussi simple que ça. Quand je clique, ça marche pas. Je vais être obligé de le faire. Bizarre. Ah putain, oui, c'est le feature qui a été le plus demandé sur les 3 derniers mois. Bon, on peut leur dire qu'on l'a fait pour eux. Les mecs, obligé. La bonne blague. Je viens de passer le cap des 200 millions de crédits. Ça, Je suis le PDG de Dior. C'était quelle marque de luxe française qui avait fait une pub de 20 minutes sur TF1 en prime time? Il y a de ça quelques années, c'était Cartier. Ah, bonne question. Parce que justement, hier, j'ai des potes, enfin, je suis allé chez des potes hier, et l'un d'entre eux, du coup, il nous racontait une anecdote en fait où il était un des meilleurs potes du fils du mec qui était responsable de. Qui était PDG à l'époque. Enfin, je peux le retrouver, je lui demanderai si tu veux, mais. Du coup, bref, il était chez son pote dans le manoir où tu te déplaces en Land Rover en fait. Dans la maison. Pendant que la pub passait à la télé en fait. Il était super stressé et tout, le daron et tout, c'était grave stylé. Il m'a montré son garage de supercar, mec, c'est. Cheaté. Dinguerie. Parce que je vois une pub Cartier mais avec une panthère. Hein. Avec la panthère, c'est ça, ouais. C'est ça, ok. C'était 15 minutes 30 apparemment. Moment, il avait dit, il expliquait que la pub elle avait coûté très très cher pour le spot de pub à la télé évidemment, mais elle a coûté tout aussi cher à produire en fait. Tu m'étonnes, bordel. Bon, il m'expliquait en riant que c'était un des rares mecs, en parlant du fils, un des rares mecs qu'il connaissait, qui était capable d'assumer ses soirées en boîte, économiquement parlant, tu sais. C'est pas mon délire, mais je vois tout à fait le truc. Bon, est-ce qu'on partirait pas sur Call of, par exemple? Ouais, je suis dessus, Faire hein, un je petit suis dessus. Warzone? Ok, nice.